Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Eh bien, magnifique séance aujourd'hui, tant en variation qu'au niveau graphique. Alors, regardez bien ce qui s'est passé. Une fois de plus, il y a une attaque baissière qui est venue titiller plus ou moins le niveau clé de la ligne d'eau de la tasse avec anse. Et une fois de plus, il y a eu des rachats à bon compte dès qu'on a fait une incursion en dessous de la M7. Et à partir de là, eh bien, il y a eu une explosion haussière qui a tout emporté sur son passage, y compris cette oblique verte ici qui correspond à la partie haute du triangle. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, sur le plan fondamental, on ne sait pas encore pour l'instant ce qui s'est passé, mais en tout cas, on en saura davantage demain. Et il est clair qu'il s'est passé quelque chose, il y a du lourd qui s'est produit. Ensuite, en termes de résistance et d'objectif, nous avons toujours donc en ligne de mire les 1750 ici, correspondant au fameux objectif du report de la profondeur de la tasse au-dessus